et Dieu créa la femme qui illumine la pellicule. Septembre 1974, à la Madrague. Brigitte Bardot fête ses 40 ans. L'actrice reçoit Paris Match pour fêter ça. Le résultat, une photo ensoleillée et légendaire. Ce cliché mythique, nous le devons à notre photographe Jack Garofalo. Il se rend donc à la Madrague, sa résidence privée. C'est son petit coin de paradis, son refuge. Brigitte le connaît bien, c'est un ami, elle a confiance en lui. Il a commencé à la photographier en 1955, pendant le Festival de Cannes. Il la photographie souvent dans les moments les plus privés, comme lors de son mariage avec Jacques Charrier en 1959 à Louveciennes. En ce jour de 1974, la lumière est magnifique. Surtout quand son modèle est la plus belle femme du monde. Petite fleur dans ses cheveux lâchés, torse vraiment nu, regard qui hypnotise. Brigitte Bardot irradie la pellicule. Une déesse, il n'y a pas d'autre mot. À 40 ans, elle est somptueuse, aucune tricherie, très peu de maquillage. Il faut savoir d'ailleurs qu'elle n'a jamais demandé à ce que l'on retouche les photos. Garofalo, comme toujours, est sous son charme. Tout d'un coup, il a une idée de dingue. Il propose à la star de poser nu. Commence à faire une jolie série de portraits à l'extérieur. Il rentre ensuite dans la maison et demande à Brigitte Bardot si elle veut bien poser intégralement nu. De dos, dans la salle de bain, assise sur les bords de la baignoire. Brigitte Bardot a souvent posé nu, mais uniquement avec des photographes qui sont d'abord des amis. Des photographes en qui elle a confiance. Regardez, ses yeux et son sourire ne trichent pas. Se marrer, mais surtout ne pas se prendre trop au sérieux. C'est le ciment d'une séance de nu réussie. Brigitte Bardot dira d'ailleurs « Pour me rendre belle, il faut faire la photo en m'aimant. » C'est toute la démarche d'un amant sur papier glacé. Mais à ce moment-ci, Brigitte rechigne un peu. Avec malice, elle dit à Jackie « D'accord, mais à une seule condition, c'est que toi aussi tu te déshabilles. » Attendez deux minutes, Jacques Garofalo complètement nu? Eh ben non, regardez. Des années plus tard, en tirant cette photo en très grand pour une exposition, on peut apercevoir, en bas à gauche, le reflet du photographe dans le miroir. Jacques Garofalo est en position d'acrobate et surtout, on voit bien, il a gardé son caleçon. Brigitte Bardot aimait beaucoup les photographes de Paris Match, avec lesquels elle avait une belle complicité. Évidemment, on peut se poser la question, n'étaient-ils pas tous amoureux de Brigitte Bardot? D'ailleurs, elle répondait, oui, ils me faisaient la cour et j'adorais ça. C'était des frères pour moi. Et lorsque je m'engueulais avec Vadim, j'allais me faire consoler par tous ces beaux mecs qui m'emmenaient boire un verre. En 2012, à la mort de ce photographe, nous avons fait une grande exposition pour lui rendre hommage. Et là, sur la vitre de la galerie, nous avons mis cette belle citation de Brigitte. « Lorsque Paris Match me demandait de faire un reportage sur moi et que je rechignais, on me répondait « On vous envoie Garo ». Alors là, j'étais contente. Il n'y a pas plus beau clin d'œil.